Cette belle image du pommier en fleurs au-dessus d'un champ de colza, qui nous revient au début de chaque émission, nous rappelle le thème de cette série, le thème de cette initiation à l'astronomie. C'est en gros comment ces pommiers, ces champs de colza, les êtres vivants, sont apparus dans l'univers après une évolution de 15 milliards d'années. Je vous rappelle qu'aux dernières leçons, on a parlé, on a montré comment notre vision du monde a changé d'une façon fondamentale pendant le dernier siècle, pendant ce 20e siècle. Depuis plus de 2000 ans, la pensée scientifique, philosophique, vivait dans l'idée que l'univers n'a pas d'histoire, que l'univers est éternel et inchangeant, qu'il est toujours le même, qu'il a toujours existé, qu'il existera toujours. Peut-être la plus grande découverte de notre siècle, c'est précisément, en peu de mots, notre univers a une histoire. Notre univers, il se passe des choses dans l'univers et le passé, le présent et le futur sont différents. Ce que ça change, c'est la façon de regarder l'univers. Aussi longtemps qu'on a pensé que l'univers est sans histoire, eh bien, on n'a pas de raison. On n'a pas eu de raison de s'intéresser à autre chose qu'au présent. Pourquoi? Eh bien, si tout est toujours pareil, si le passé, le présent et l'avenir sont identiques, pourquoi s'intéresser au passé et à l'avenir? Prenons par exemple le mouvement de la Terre. Si on est convaincu que la Terre a toujours tourné sur elle-même, toujours tourné autour du Soleil, et qu'elle tournera indéfiniment, on ne voit pas pourquoi on s'intéresserait à une révolution terrestre qui a eu lieu dans un lointain passé, alors que nous avons sous les yeux un exemple de révolution terrestre. Par contre, quand on change ce point de vue, cette vision, et qu'on passe à l'idée que notre univers est un univers historique, eh bien, nous devenons des historiens. Et qu'est-ce que c'est un historien? C'est quelqu'un qui essaie de comprendre le passé parce qu'il sait, parce qu'il est convaincu que ce qui s'est passé dans le passé a laissé une trace sur le présent. C'est bien là la différence. C'est que dans un univers historique, dans un contexte historique, le présent est en grande partie marqué par le passé. Les clés du présent se trouvent dans le passé. Cela existe aussi bien, évidemment, au niveau de l'univers dans son ensemble qu'au niveau de l'histoire de chaque nation. Chaque nation a son histoire, le Canada a son histoire, et un politicien, un politique, sait très bien qu'il ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Canada s'il ne connaît pas le passé. Par exemple, les problèmes récents avec les Indiens, avec les Amérindiens, évidemment, font référence, trouvent leur explication, leur cadre explicatif dans le passé, les interactions du passé entre les Blancs et les Amérindiens. Donc, c'est ça qui fait toute la différence, c'est que le passé devient important, le passé devient précieux. Et l'historien est celui qui va essayer de reconstituer le passé. Nous sommes tout à fait dans cette optique par rapport à l'univers. Nous sommes en train de reconstituer le passé. Et je vous rappelle cette image des explorateurs, comment les explorateurs exploraient les îles inconnues. Eh bien, ils abordaient les îles par le rivage et ils y arrivaient, ils allaient progressivement vers le centre de l'île. Il y avait une démarche d'exploration. J'ai comparé cette démarche à celle que nous avons aujourd'hui, quand, en astrophysique, nous partons du temps présent et nous remontons dans le passé pour essayer de comprendre comment les choses se sont passées et de comprendre comment l'univers a aujourd'hui le visage qu'il a à partir d'événements qui se sont produits à cette période et qui ont laissé leurs traces, qui ont laissé la possibilité de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà donc un résumé de notre contexte. Et à la dernière leçon, j'ai déjà présenté quelques éléments importants. Un des plus importants, c'est celui de cette fameuse récession des galaxies. On emploie le mot récession des galaxies, le fait que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Ça a été la plus importante indication. Cela a été découvert par l'astronome américain
Hubble dans les années 1920-1930, c'est peut-être ce qui a été le renseignement le plus important qui a amené la communauté scientifique à s'interroger précisément sur le passé de l'univers et en particulier sur le fait que est-ce que ce passé était différent du présent. J'ai parlé aussi il y a quelque temps de la notion de fossile à laquelle nous allons beaucoup revenir. Il est bien évident qu'un préhistorien, par exemple, ne peut étudier une civilisation antique que s'il y trouve des fossiles. Et donc, pour lui, l'exploration, ça consiste à trouver, identifier des fossiles au sens préhistorique, préhistoricien du terme et au sens généralisé. C'est quoi? C'est quelque chose qui a pris sa forme, son comportement dans un lointain passé, qui s'est transporté dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, en l'étudiant, nous essayons de lire le message de ce fossile. Qu'est-ce qu'il nous dit de ce qu'était le monde ou les hommes du Néandertal dans un passé plus ou moins récent? Alors, le premier fossile que nous avons observé, et Hubble est arrivé sur ce fossile sans vraiment le chercher, il mesurait les vitesses des galaxies et il s'est aperçu que les galaxies, loin d'avoir des vitesses aléatoires, ont des vitesses qui sont tout à fait ordonnées, elles s'éloignent de nous et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Eh bien, il était facile de comprendre, de supposer que ce mouvement des galaxies n'était pas un mouvement récent, mais un mouvement qui avait été donné aux galaxies dans un lointain passé, vous avez encore là l'image du fossile, et que ce mouvement, on pouvait essayer d'en comprendre l'origine en reculant dans le passé. Alors, on a continué à étudier ce mouvement des galaxies. Au départ, on ne regardait que des galaxies relativement proches de nous et dont les vitesses n'étaient pas très grandes à l'échelle que nous allons rencontrer maintenant. On étudiait des galaxies dont les vitesses n'étaient que de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Aujourd'hui, nous pouvons prolonger cette étude et atteindre des galaxies dont les vitesses approchent la vitesse de la lumière. Et le diagramme que vous voyez maintenant, qui a été présenté la dernière fois, c'est précisément un diagramme avec en abscisse, en bas, la distance des galaxies et en ordonnée, en haut, la vitesse de ces galaxies. Et on voit très bien, les petits points blancs sont des galaxies individuelles, on voit très bien comment plus elles sont loin, plus elles vont vite. Eh bien, cette image, donc, nous a amené cette idée d'un univers en évolution, c'est-à-dire exactement en dilution, puisque si les galaxies s'éloignent, bien sûr, la densité de galaxies dans un volume donné va décroître progressivement. Et le pari de Gamow, c'est là maintenant que nous allons arriver au second fossile, le pari de Gamow, ça a été de dire, eh bien, prenons cela au sérieux, cette indication, remontons dans le temps et voyons voir ce que pouvait être l'univers dans un passé beaucoup plus ancien. Et Gamow, en utilisant les principes simples de la physique, qui sont connus de tous, nous savons tous que quand nous comprimons un gaz, il se réchauffe, quand nous le détendons, il se refroidit. Donc, Gamow s'est dit, l'univers, dans ces conditions, doit être en refroidissement. Dans le passé, il devait être plus chaud. Jusqu'à quelle température est-il allé? Et quelles sont les preuves que nous avons qu'il a atteint telle ou telle température? On pourrait formuler sa démarche à peu près comme ceci. Alors, il a aussi utilisé un autre principe de la physique qui dit que quand un corps est chaud, il émet de la lumière. Et il émet une lumière tout à fait particulière que nous appelons une lumière thermique, c'est-à-dire dont les caractéristiques sont bien connues. Les caractéristiques, c'est par exemple les rapports des différentes longueurs d'onde, des différentes fréquences à l'intérieur de cette lumière, ce que nous appelons son spectre. Alors, il a donc prévu que si l'univers avait été suffisamment chaud dans le passé, il devait y avoir éparpillé, répandu, dilué dans l'univers aujourd'hui un rayonnement fossile qui serait ce qui reste, le pâle écho de ce qu'était la très grande lumière qui devait exister au début. Alors, pour vous présenter ce rayonnement fossile, je voudrais vous présenter ici une carte qui va nous permettre de regarder un peu quelle sorte de rayonnement électromagnétique, correspondant à des photons, nous rencontrons dans l'univers aujourd'hui. Alors ici, en abscisse, on a mis la fréquence et ici la longueur d'onde.
longueur d'onde, voilà ici par exemple un rayonnement dont la longueur d'onde est de 1 mètre, ici de 1 cm, ici de 1 micron, et ici des longueurs d'onde beaucoup plus longues. Ceci, c'est le domaine de la radio. Ceci, c'est le domaine millimétrique, infrarouge, visible quelque part ici. Cette bande verte ici nous indique que cette région-ci, qui correspond à l'ultraviolet, est celle qui reste encore à explorer. Il est très difficile d'explorer l'ultraviolet. L'ultraviolet est absorbé et de pouvoir détecter des sources ultraviolettes venant de très loin, c'est encore quelque chose qui reste à obtenir de façon efficace. À mesure qu'on se déplace ici, on arrive dans des rayonnements de plus en plus intenses, le rayonnement X et le rayonnement gamma. Donc, je profite de l'occasion pour vous présenter toutes ces familles de rayonnements électromagnétiques, encore une fois, radio, millimétrique, infrarouge, optique, ultraviolet, qui est encore reconnu, X et gamma. Cela correspond donc à une diminution de la longueur d'onde d'environ 100 mètres jusqu'à une fraction de un millième de trillionième, pardon, un trillionième, c'est un trillionième de mètre, et ici à des fréquences qui vont de 100 millions jusqu'à 10 puissance 20. Alors, c'est là qu'on va situer maintenant le rayonnement fossile. Voilà, cette carte que vous voyez ici, ce diagramme, nous présente ce que nous recevons dans le ciel, dans ces longueurs d'onde, quand nous regardons en dehors des étoiles, des galaxies, le fond de scène, ce qu'on appelle le background ou le fond de scène. Et vous voyez qu'on a exploré assez bien. Il y a un fond radio qui est ici. Il y a ce fond millimétrique. Il y a un fond infrarouge. Ça, c'est la lumière optique. C'est la lumière des étoiles. Ici, presque toutes les étoiles sont concentrées là. Et puis, un fond X et gamma diffus. Alors, ce que nous allons maintenant étudier, c'est cette bosse-ci. Cette bosse-ci, c'est la bosse. C'est le rayonnement millimétrique qui a été détecté en 1965 par les radioastronomes Penzias et Wilson, dont j'ai parlé la dernière fois. J'ai mentionné comment Gamow avait prévu que si cette histoire d'univers beaucoup plus chaud dans le passé était vraie, alors forcément il devait y avoir ce rayonnement, et il avait prévu que ce rayonnement devait se situer dans cette bande de fréquence millimétrique que nous utilisons aujourd'hui pour les radars et pour la télévision. Je vous ai dit comment personne n'avait été explorer cela, parce qu'on ne change pas d'idée facilement, et quand on a une idée derrière la tête, l'idée que l'univers est éternel et inchangeant, on met du temps à l'accepter. Mais fort heureusement, deux astronomes américains, pour des raisons tout à fait différentes, recherche de contact avec des satellites, sont allés explorer cette région et ont découvert effectivement cette bosse ici. Cette bosse, c'est là le rayonnement fossile, c'est le rayonnement dont Gamow avait prédit l'existence. Et c'est à partir de cette détection en 1965 que les physiciens et les astrophysiciens ont commencé vraiment à prendre au sérieux cette idée d'un univers en expansion, d'un univers qui avait été plus chaud dans le passé. J'ai mentionné comment en physique, en science en général, quand une théorie pouvait se permettre non seulement d'expliquer ce qui existe, mais aussi de faire des prédictions, et que ces prédictions sont réalisées, eh bien, c'est une preuve tout à fait convaincante. Et cette bosse-ci, c'est précisément une de ces prédictions. Gamow, en 1948, a prévu que si la théorie que nous appelons aujourd'hui le Big Bang, qui à ce moment-là s'appelait la théorie de l'univers en expansion, si cette théorie était valable, alors il devait y avoir cette bosse ici. Et en 1964-65, ces deux astronomes américains, par hasard, ont découvert cette bosse, et Gamow leur a dit, eh bien, c'est exactement ce que j'avais prédit comme étant une conséquence nécessaire de cet univers en expansion. Et en 64-65, les physiciens, les astrophysiciens, qui jusque-là étaient, dans la plupart des cas, relativement peu chauds par rapport à cette théorie du Big Bang, ils disaient, oui, bien sûr, les galaxies sont plus rouges qu'elles ne devraient, il y a ce décalage, mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'elles se déplacent? Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette idée? Est-ce qu'on doit vraiment passer, avoir un changement aussi radical, de passer d'un univers éternel et inchangeant, idée qui était prédominante depuis 2000 ans,
à pratiquement l'opposé d'un univers en expansion, donc un univers historique, donc un univers en changement, eh bien les physiciens qui ont été un peu résistants, et je crois que c'est bien qu'il y ait eu cette résistance, les scientifiques doivent d'être critiques par rapport à toute nouvelle hypothèse, n'ont pas changé d'idée d'un jour à l'autre, la science n'irait nulle part. Il est important de développer une résistance par rapport à des idées nouvelles et de demander des preuves vraiment sérieuses. Et plus le changement d'idée est important, hein, plus la nouvelle idée paraît extravagante. Et dans un sens, on peut bien dire que passer d'un univers statique à un univers dynamique, c'était passer à quelque chose de tellement différent que pour beaucoup de gens, cela paraissait extravagant. Eh bien, il fallait des preuves. Et la première preuve, c'était la découverte d'un fossile, d'un réel fossile qui montrait qu'effectivement, cet univers avait été très différent. Un peu plus tard, je vous présenterai d'autres fossiles. Nous en avons maintenant une collection importante. Et je crois que malgré le côté qui peut paraître assez spéculatif de cette idée du Big Bang, cette idée est maintenant fondée sur suffisamment de preuves expérimentales et de prédictions réussies pour qu'on la prenne vraiment au sérieux. Qu'est-ce que ça nous a appris, cette détection du rayonnement fossile? À quel moment ça s'est passé? Eh bien, pour reprendre notre histoire, nous retrouvons notre carte. Rappelez-vous que ceci, dans cette carte, ceci c'est le temps, ceci c'est aujourd'hui, et ici, on a mis deux quantités, une d'entre elles étant la distance entre deux galaxies. On sait que cette distance s'accroît avec le temps. C'est la découverte de Hubble. Donc, on sait que si, par exemple, deux galaxies sont à cette distance-ci, à ce moment-ci, aujourd'hui, elles sont en train de s'éloigner. On sait que dans le passé, elles étaient plus rapprochées. Et j'ai mentionné comment plus un gaz en général se dilue, plus il se refroidit. Et on s'attend à ce que si la distance augmente, c'est-à-dire si le gaz se dilue, le gaz de galaxie, la température, elle, est en train de décroître. Et notre recherche, notre quête, comme on dit, c'est de savoir jusqu'à quelle température l'univers a été dans le passé. Et c'est là que le fossile du rayonnement fossile va nous intéresser. D'abord, il va nous apprendre deux choses importantes. En regardant, justement, ce rayonnement fossile, on peut lire quelle est la température de l'univers aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, la température de l'univers? L'univers n'est pas partout à la même température, bien sûr. Ici, il fait relativement chaud, nous sommes près du Soleil. Si on se trouvait à l'intérieur du Soleil, il ferait beaucoup plus chaud. Il y a un gradient, il y a des variations de température importantes. Cependant, en moyenne, si on se place quelque part entre les étoiles, on peut déterminer une température. C'est la température qui est déterminée par le rayonnement, ce rayonnement qui est présent partout, même dans les régions les plus vides. Eh bien, cette température, l'étude de ce rayonnement fossile nous dit que c'est à peu près 3 degrés. 3 degrés absolus, ce qui veut dire moins 270 degrés centigrades ou Celsius. Vous voyez qu'on a intérêt à ne pas être en un point quelconque de l'univers, mais à être dans un endroit un peu privilégié, comme nous sommes ici sur la Terre, près d'une étoile où il fait ni trop chaud ni trop froid. Si on était dans un endroit moyen entre les étoiles, les galaxies, la température, en autant qu'on puisse la définir, et on la définit par rapport à ce rayonnement, elle est de 3 degrés. Les meilleures mesures qu'on a maintenant font état plutôt de 2,7 degrés. En fait, on va appeler ça 3 degrés en moyenne. Et cette température est en train de décroît progressivement, très lentement. Dans 15 milliards d'années, par exemple, elle sera environ de la moitié de ces 3 degrés. Puis encore dans 15 milliards d'années, elle sera de la moitié de la moitié. C'est une température qui décroît progressivement à mesure que les galaxies s'éloignent. Alors, dans le passé, évidemment, cette température a été plus élevée. Et ce que le rayonnement fossile va nous apprendre aussi, quand on y combine l'étude de la physique, c'est à quel moment et quelle était la température de l'univers au moment où ce rayonnement fossile a été émis. C'est à cela que nous allons nous intéresser maintenant. Et dans ce diagramme-ci, nous poursuivons notre enquête
et nous remontons vers le passé de l'univers. Ça, c'est toujours le temps. Ça, c'est toujours pour nous notre marche à rebours, notre compte à rebours. Et ça, c'est la température. Le point auquel nous nous intéressons, c'est celui-ci. On peut montrer par des études de physique qui ne sont pas très simples, mais qui sont convaincantes, que le rayonnement fossile a été émis, celui que nous recevons aujourd'hui, que Penzias et Wilson reçoivent dans leur radiotélescope et que nous avons continué à étudier par de nombreux appareils, on y reviendra tout à l'heure, ce rayonnement fossile, il a été émis il y a environ 15 milliards d'années. Environ 15 milliards d'années, et il a été émis à un moment où la température était d'environ 3000 degrés. Donc voilà un renseignement important. Nous savons que l'univers a été à au moins 3000 degrés dans le passé. Plus tard, on continuera notre exploration. Le rayonnement fossile nous dit que l'univers a été à au moins 3000 degrés parce que si l'univers n'avait pas été à au moins 3000 degrés, ce rayonnement fossile n'aurait pas pu être émis. Les conditions physiques requises pour que ce rayonnement soit émis, c'est que l'univers soit à au moins 3000 degrés, plus peut-être, mais au moins 3000. Donc voilà le premier enseignement important. L'univers dans le passé a atteint au moins la température de 3000 degrés, et cela à une période d'environ 15 milliards d'années dans le passé. Vous voyez, on recule dans le passé. Les autres événements vont se passer beaucoup plus vite, et c'est pour ça que de toute façon, on en restera toujours à environ 15 milliards d'années comme somme totale. Mais première étape de notre exploration, l'univers a atteint au moins 3000 degrés, autrement, nous n'aurions pas ce rayonnement fossile, et ce rayonnement fossile a été émis quand l'univers, il y a environ 15 milliards d'années dans le passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a amené cette émission de ce rayonnement fossile? C'est que, grosso modo, ça la coïncide avec la période où l'hydrogène peut se former dans l'univers. Avant cette période, il fait très chaud, et les atomes d'hydrogène, rappelez-vous que les atomes d'hydrogène sont composés d'un proton et d'un électron, les atomes d'hydrogène sont ionisés, comme on dit, dissociés. C'est-à-dire qu'auparavant, l'univers est fait d'une soupe de protons et d'électrons, et il y a aussi quelques noyaux légers, mais pas beaucoup, c'est surtout des protons et des électrons. Il fait trop chaud pour que ces protons et ces électrons se combinent pour faire de l'hydrogène. Et puis, l'univers refroidit progressivement, et autour de cette température d'environ 3000 degrés, les électrons sont capturés par les protons, peuvent rester en orbite sans être immédiatement ionisés par des photons qui arrivent, et à ce moment est émis ce rayonnement fossile qui nous arrive aujourd'hui après 15 milliards d'années. Alors, il ne nous arrive pas, bien sûr, à la température où il a été émis. Il a été émis à 3000 degrés, et il voyage pendant 15 milliards d'années, ce sont les plus vieilles images que nous ayons, il voyage pendant 15 milliards d'années, et quand il arrive aujourd'hui, pendant ces 15 milliards d'années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'univers est en expansion, les volumes s'accroissent de partout, et également la longueur d'onde des photons. Ces photons qui, à cette période, ont une longueur d'onde d'environ 1 millimètre, c'est pour ça que l'on... Pardon, on va dire, ont des longueurs d'onde d'environ 1 micron, s'accroissent progressivement et passent d'une longueur d'onde d'à peu près 1 micron. 1 micron, c'est à peu près la longueur d'onde de la lumière visible, c'est le rouge environ. Cette longueur d'onde s'étend, ainsi que les galaxies s'éloignent, les photons s'étirent, si on veut, c'est comme si on tirait le tapis sous eux. La longueur d'onde augmente, et quand il nous arrive, il n'est plus de 1 micron, c'est-à-dire un millionième de millimètre, mais il est plutôt de 1 millimètre. Donc, tous les photons ont été étirés d'à peu près un facteur 1000, et cet étirement du photon correspond à une diminution de sa température. Donc, voilà ce qui se passe pour ces photons quand nous les recevons. Ils voyagent dans l'espace libre depuis 15 milliards d'années. Ils arrivent de partout à la fois, et quand ils arrivent chez nous, la seule trace, le seul effet qu'a eu ce voyage sur eux, ça a été d'accroître leur longueur d'onde, cette longueur d'onde, cet accroissement étendu au fait que l'espace s'accroît, c'est-à-dire que chaque deux points dans l'univers s'éloignent l'un de l'autre à une certaine vitesse. Alors, nous avons continué depuis cette période, nous étudions ce rayonnement fossile, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement
précieux, on essaie d'en obtenir le plus de renseignements possible. Et en mars 1990, nous avons eu un télescope, qui est un télescope américain, qui s'appelait COBE, Cosmic Background Observer, qui nous a donné les meilleures données, les plus précises que nous ayons eues jusqu'ici, et qui nous a bien confirmé qu'il s'agissait d'un rayonnement thermique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un rayonnement thermique? Eh bien, nous retrouvons ici, je vous ai montré tout à l'heure le rayonnement en fonction de la longueur d'onde, les régions radio, infrarouges, visibles et tout cela, millimétriques. Aujourd'hui, nous allons reprendre cette bosse qu'on a vue tout à l'heure et nous allons l'étaler sur l'échelle des longueurs d'onde. Voici les longueurs d'onde qui vont de 2 jusqu'à 20 mm. Et ce que nous allons voir ici, c'est la fréquence, c'est-à-dire la quantité de rayonnement à chacune de ces longueurs d'onde. Alors, vous remarquez que c'est une belle courbe en cloche, c'est-à-dire qu'il y a plus de lumière correspondant à cette longueur d'onde que ici ou là, ça décroît progressivement. Et ça, pour un physicien, c'est une signature. Cette forme est une signature. Ça veut dire que c'est le rayonnement qui est émis par un corps qui est à une certaine température. Bien sûr, dans la nature, nous avons des rayonnements très variés et vous pourriez avoir ici des bosses, des creux et tout cela. Quand vous avez une distribution de rayonnement qui a très précisément cette forme, vous vous dites que ça a été émis par ce qu'on appelle un corps noir. Le corps noir, ce n'est pas un corps noir, c'est un corps qui a une certaine température et qui émet un rayonnement très précis, avec une distribution très précise. Et ce que nous a montré cette sonde, ce radiotélescope COBE, c'est que le rayonnement émis par la distribution des fréquences ou des longueurs d'onde du rayonnement fossile correspond avec une extraordinaire précision à ce qu'on attend d'un rayonnement émis par un corps qui est à une certaine température, qui a été thermalisé, qui est thermique. Et voilà, encore une fois, l'image du fossile. Comme on peut, en regardant un silex taillé, en y regardant de près, identifier exactement à quelle période il a été fabriqué. Comme vous savez, au cours des âges, on améliore la taille des silex et on peut, en le regardant en détail, dire voilà, il a été fabriqué il y a 30 000 ans, ou il y a 20 000 ans, ou il y a 12 000 ans, parce qu'il y a un progrès dans cette taille de silex. De la même façon, en regardant plus en détail ce rayonnement fossile, en ayant des mesures très précises de la quantité de rayonnement à chaque longueur d'onde, vous voyez que ça représente un très grand nombre de mesures. Chaque point ici représente une mesure. À cette longueur d'onde, il y a ceci. À cette longueur d'onde, il y a cela. Et ces longueurs d'onde, ces mesures, correspondent à mieux de 0,5% de 1% à ce qu'on attend de la part d'un corps qui est chauffé à une certaine température et qui n'a que la lumière qui correspond à cette propriété de thermalisation. Ce résultat a été un résultat extraordinaire qui a confirmé, encore une fois, la théorie du Big Bang, cette théorie qui veut que l'univers ait été chaud dans le passé, puisque nous avions là la preuve que ce rayonnement est bien le rayonnement émis par quelque chose de chaud. Cela a aussi amené certains problèmes dont on parlera. Ce rayonnement est d'une telle homogénéité qu'on a des problèmes pour comprendre comment se forment les galaxies. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Je voudrais vous laisser sur cette extraordinaire courbe qui montre bien, d'une façon convaincante, que le rayonnement à 3 degrés, que le rayonnement observé par Penzias et Wilson, évidemment, quand on l'a observé la première fois, on n'avait que quelques points, on ne pouvait pas affirmer avec autant de conviction qu'il s'agissait d'un rayonnement thermique. Maintenant que nous avons toutes ces mesures, le cas est très clair et très net, il s'agit vraiment d'un rayonnement thermique émis par un univers qui, à cette époque, était à 3000 degrés. Encore une fois, et qui maintenant s'est thermalisé, s'est refroidi et a atteint la température de 3 degrés. J'aimerais vous présenter sur un diagramme quelle est la situation de ce rayonnement fossile par rapport à nous. Rappelez-vous que ce rayonnement fossile est émis au moment où les atomes d'hydrogène se forment par la combinaison des électrons et des protons, et ce rayonnement donc est émis à ce moment-là.
Alors, il y en a partout dans l'univers, bien sûr. Mais celui que nous recevons, à un moment donné, nous vient d'une certaine distance, d'environ 15 milliards d'années-lumière, et il est constitué, regardons notre dessin, voilà, nous sommes ici, on se suppose être au centre de l'univers, bien sûr, c'est une fiction, chaque galaxie pourrait dire la même chose. Nous regardons autour de nous, nous voyons des galaxies qui s'éloignent, ça c'est la découverte de Hubble dans les années 20 à 30, et à mesure que nous nous éloignons, que nous regardons à des distances de plus en plus grandes, bien sûr, nous remontons dans le passé. Rappelez-vous que la lumière nous permet de remonter dans le passé. Quand on regarde une galaxie qui est située à 1 million d'années-lumière ou 2 millions d'années-lumière, comme Andromède, nous regardons une galaxie, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. C'est-à-dire que la lumière que nous recevons aujourd'hui voyage depuis 2 millions d'années dans le temps et nous voyons la galaxie telle qu'elle était à ce moment-là. Bien sûr, nous n'avons pas la possibilité de voir la galaxie telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ça, il faudrait attendre encore 2 millions d'années. Alors, on peut dire que quand on regarde loin, on regarde tôt. C'est-à-dire qu'une galaxie qui est à 100 millions d'années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était il y a 100 millions d'années. Nous avons en quelque sorte une machine à remonter le temps et nous pouvons, en observant des galaxies de plus en plus lointaines, nous faire une idée de ce qu'était l'univers dans un passé de plus en plus lointain. Alors ceci va nous amener à cette limite, il va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'est ce rayonnement fossile et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il était émis. Quand nous regardons plus tôt, nous regardons un univers qui est plus dense, bien sûr, puisque nous avons appris que l'univers se dilue, cette récession des galaxies représente un univers en train de se diluer. Et donc, plus nous regardons les galaxies lointaines, plus la distribution, le nombre de galaxies dans un volume donné est grand. Et ça, c'est tout à fait observé, c'est une autre confirmation du Big Bang. Quand nous regardons des galaxies lointaines, nous trouvons que les galaxies sont plus rapprochées à cette période-là que maintenant, tout à fait, à l'image de cet univers en train de se diluer. Bien sûr, nous regardons aussi des photons qui, à la période où ils étaient à cet endroit, se trouvaient à une température plus élevée, une énergie plus élevée, et la densité des photons est de plus en plus grande à mesure qu'on s'éloigne. Alors, si vous voulez, quand on regarde des objets, faisant le parcours dans ce sens-ci, on parle d'ici, et on arrive dans un univers de plus en plus chaud, de plus en plus dense, et à un moment donné, on arrive à un univers qui est tellement dense qu'il est opaque au rayonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière ne peut plus le traverser. Alors, c'est ce qui a été présenté par cette couronne bleue ici. Cette couronne bleue nous présente la distance à laquelle il faut aller pour que l'univers soit tellement chaud et tellement dense que les photons, au-delà de cette distance, ne peuvent plus voyager. Si on pouvait continuer, on aurait ici encore beaucoup de photons. L'univers est encore plus chaud à mesure qu'on s'éloigne, qu'on s'en va dans cette direction, mais ces photons ne peuvent plus nous arriver d'un seul trait, d'un seul jet. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre cela par une analogie avec ce qui se passe quand nous regardons le Soleil. Refaisons notre dessin ici. Voilà le Soleil, nous sommes là. Nous regardons le Soleil, et qu'est-ce qu'on voit quand on voit le Soleil? Eh bien, on voit une boule jaune, mais on ne peut pas voir à l'intérieur du Soleil. Pourtant, il y a beaucoup de lumière à l'intérieur du Soleil, encore bien plus. L'intérieur du Soleil est fantastiquement plus lumineux que sa surface. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas l'intérieur du Soleil? Pourquoi nous ne voyons pas cette lumière? Parce qu'un photon, par exemple, qui est émis ici, au centre du Soleil, ne peut pas nous rejoindre d'un seul coup. Il est émis, il est absorbé, il est réémis, il est réabsorbé. Il y a de multiples diffusions ici. Jusqu'au moment où il arrive à la surface, et en arrivant à la surface, sa lumière s'est dégradée par ses absorptions, ses réémissions. Et à ce moment-là, il est devenu jaune, alors qu'au centre, c'était un rayonnement gamma, très énergétique. Il est devenu jaune, mais là, l'espace entre le Soleil et nous,
ne contient pas assez de matière pour pouvoir absorber ces photons. En d'autres mots, c'est à partir du moment où l'espace est transparent entre la surface et nous qu'il y a la surface. La surface du Soleil, c'est essentiellement le lieu à partir duquel l'espace, la matière comprise entre nous et cette surface est transparente, c'est-à-dire l'espace est d'un seul trait, d'un seul jet, le photon qui arrive jusqu'à nous. Alors, vous voyez pourquoi on ne voit pas l'intérieur. Les photons ne peuvent pas nous arriver d'un seul trait. Il y a trop de matière, c'est opaque. Mais quand on arrive au bord, c'est transparent. À partir de là, c'est transparent. Et là, les photons peuvent nous arriver directement. C'est exactement l'analogue de ce qui se passe ici. L'analogue, c'est bien sûr que là, nous sommes en dehors du Soleil. La différence, c'est que nous sommes en dehors. Ici, nous sommes à l'intérieur de l'univers. Mais si vous simplement faites cette transposition, vous comprendrez pourquoi les photons peuvent nous arriver d'ici, parce que l'espace entre ici et là est transparent. Il n'y a pas suffisamment de matière pour absorber les photons. Mais au-delà de cela, cela devient opaque. Et là, nous allons introduire la notion d'horizon. L'horizon, c'est jusqu'où vous pouvez voir, mais pas plus loin. L'horizon cosmologique, ici, il est constitué par cette matière qui, jusque-là, était trop dense pour laisser passer les photons directement, et en arrivant là, est suffisamment diluée. C'est juste le moment où elle est suffisamment diluée pour que les photons aient une chance de nous arriver jusqu'à nous. Et le rayonnement fossile, c'est précisément le rayonnement qui a été émis au moment où l'univers est passé de l'opacité à la transparence. C'est ce passage qui a libéré ce rayonnement fossile qui nous arrive. Alors, quand je dis que l'univers est opaque et que c'est l'horizon, je parle bien sûr de la lumière, des photons, de rayonnement électromagnétique, de ce qui va devenir la lumière visible, de ce qui, à un moment donné, la radio et l'infrarouge. C'est toute cette gamme de rayonnement qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas vrai pour d'autres types de rayonnement. Il y a des types de rayonnement qui sont beaucoup plus pénétrants que la lumière optique. Il y en a deux sortes, par exemple, on parlera plus tard des neutrinos. Les neutrinos, c'est une autre particule qui est tout à fait analogue au photon. C'est une particule qui, comme le photon, n'a pas de masse, voyage toujours à la vitesse de la lumière. En fait, on n'est pas certain qu'il n'y a pas de masse, il y a peut-être une toute petite masse, c'est une question qui se discute aujourd'hui, mais en tout cas, dont la vitesse est très voisine de la vitesse de la lumière et qui a comme caractéristique d'interagir beaucoup moins avec la matière que les photons. Pour vous donner un exemple, le Soleil émet des photons et des neutrinos. Les photons sont émis ici, ce qu'on voit, la surface du Soleil telle qu'on la voit, elle est là, mais nous avons des télescopes de neutrinos qui nous permettent de voir jusqu'au centre du Soleil. Pourquoi? Parce que les neutrinos interagissent tellement moins, ils ne sont pas sensibles à la force électromagnétique. Ils sont sensibles à une autre force qu'on appelle la force faible, et qui est effectivement très faible, qui fait qu'un neutrino émis ici peut aller directement jusque sur la Terre. Bien sûr, nous ne le voyons pas à l'œil nu, notre œil n'est pas sensible aux neutrinos, mais nous avons des détecteurs, cela prend des détecteurs immenses, mais aujourd'hui on en a, qui nous permettent de voir le centre du Soleil, de voir des neutrinos qui sont émis au centre du Soleil. C'est comme si nous avions une radioscopie du centre du Soleil. Et ces neutrinos, bien sûr, nous arrivent jour et nuit. Il n'y a pas de nuit et de jour par rapport aux neutrinos. Pourquoi il y a la nuit? Parce que les photons du Soleil ne peuvent pas traverser la Terre, donc pendant la nuit, il fait noir. Mais les neutrinos, eux, traversent la Terre avec une parfaite facilité. Et il y a toujours autant de neutrinos de jour et de nuit. Eh bien, ces neutrinos, qui sont tellement plus pénétrants que les photons, peuvent également venir de beaucoup plus loin. Et nous savons, nous y reviendrons, jusqu'à quelle distance les neutrinos pourraient pénétrer, ou plus exactement, de quelle distance ils pourraient nous parvenir sans être absorbés. Nous n'avons pas encore de moyen d'observer de tels neutrinos, ça fait partie de l'astronomie du futur. Et il y a une troisième particule qui, elle, est presque sur le point d'être détectable, c'est ce qu'on appelle les gravitons. Les gravitons, ce sont des petites particules qui sont l'analogue des photons. Les photons sont ceux qui transportent la force électromagnétique. Les gravitons, c'est ce qui transporte la force de gravité. Les gravitons, pour l'instant, on sait très peu de choses sur eux. Nous avons depuis quelque temps la preuve qu'ils existent, ou du moins de bonnes raisons de penser qu'ils existent.
Nous sommes en train, plusieurs pays sont en train de mettre sur pied des télescopes à gravitons qui nous permettraient de détecter les gravitons, c'est-à-dire ce qui transporte la force gravitationnelle, comme nous détectons depuis longtemps, notre œil le fait, les photons, c'est ce qui transporte la force électromagnétique. On espère que ces télescopes deviendront opérationnels autour de l'an 2000. On pense qu'on commencera à détecter des objets célestes qui émettent des gravitons. Qu'est-ce qui émettrait des gravitons? Par exemple, une étoile qui explose devrait être une source de gravitons importante. Deux étoiles qui entrent en collision, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre très rapidement. Tout cela fait des champs de gravité qui varient beaucoup. C'est la variation du champ de gravité qui émet le graviton, de même que c'est la variation des champs électriques et magnétiques qui émet les photons. Et on pense qu'à cette période, on pourra pénétrer beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément dans le passé. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le rayonnement fossile, c'est ce qui est émis à la frange où la matière de l'univers, qui était jusque-là transparente, devient opaque. Bien sûr, vous avez compris que quand je dis « devient opaque », je veux dire que quand je recule dans le passé, je traverse suffisamment d'espace pour, en remontant dans le temps, atteindre un moment où l'univers était opaque. Et le rayonnement fossile, c'est ce qui est émis juste à ce moment-là. Alors, un autre point important auquel nous reviendrons plus tard, c'est que ce rayonnement fossile est émis sur toute la surface, de partout, c'est-à-dire qu'on peut l'observer dans cette direction ici, dans cette direction-là, dans différentes directions, et mesurer la température de ce rayonnement fossile, et on trouve toujours la même température, ce qui est encourageant, 2,7 degrés. Ce qui est un peu plus problématique, c'est qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait des petites variations d'un endroit à l'autre en relation avec l'origine des galaxies. Il y aurait, comme on pense que quelque part ici, il y a ce qu'on pourrait appeler les germes de galaxies, les graines de galaxies, ce qui va donner naissance aux galaxies plus tard, une sorte de granularité dans ce ciel. Et ces granularités, donc, seraient pour nous ce qui plus tard deviendra les galaxies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on étudie cette température et les variations éventuelles de température avec une précision très grande. Et on a montré que la température est la même à au moins une partie dans 10 000 ou dans 100 000. Ce qui pose des problèmes, on s'est dit, mais où sont les germes de galaxies? Quand je dis que la température est la même, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une région qui est un peu plus chaude que l'autre. Dans une certaine direction, la température est un peu plus élevée, mais cela, nous le savons, est relié au mouvement de la Terre. Comme nous avançons, notre Terre tourne autour du Soleil, le Soleil se déplace dans la galaxie se déplace par rapport aux autres galaxies. Nous avons pu identifier une composante qui montre que la Terre se déplace à environ 600 km par seconde, et c'est aujourd'hui un problème de savoir pourquoi elle va si vite par rapport à ce rayonnement. C'est des problèmes auxquels nous reviendrons un peu plus tard. En résumé, le rayonnement fossile nous a montré, nous a apporté la preuve du fait que l'univers a été dans le passé à une température d'au moins 3000 degrés à une date que l'on situe à environ 15 milliards d'années. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on a des preuves du fait que l'univers aurait été plus chaud encore? Eh bien, dans notre langage de préhistorien, ces preuves s'appellent des fossiles. Connaissons-nous des observations astronomiques qui nous permettraient d'affirmer ou de nous convaincre du fait que l'univers a été beaucoup plus chaud? Nous en avons plusieurs et nous allons maintenant les regarder les unes après les autres. La prochaine va utiliser quelque chose que nous avons appris déjà dans une leçon précédente. C'est la façon de la nature de se structurer. La nature est structurée comme un langage, comme j'ai dit, et nous allons revoir ici quels sont les éléments de cette structure. Je vous expliquais comment, au niveau le plus élémentaire que nous connaissions, la matière est composée de quarks et d'électrons, et que
plus tard, et ce sont les chapitres que nous allons maintenant observer, plus tard, je veux dire après le Big Bang, quand l'univers se refroidit, les quarks se combinent pour donner des neutrons et des protons. Et plus tard encore, ces neutrons et ces protons s'associent pour former des noyaux d'atomes qui, se combinant avec des électrons, peuvent donner des atomes. Alors voilà ce que nous allons observer, c'est ces chapitres-ci, c'est comment la nature est montée d'un niveau à l'autre. Et cela s'est passé dans ce très lointain passé dont nous allons maintenant essayer de déterminer la température et la chronologie. Alors, j'ai mentionné ici que cela se passe dans le Big Bang, c'est-à-dire à une période où l'univers est complètement dilué, où il n'y a pas encore de formation de galaxies et d'étoiles. Pour les atomes, ça n'est pas tout à fait vrai. Une partie des atomes, l'hélium, est formée à cette date. La plupart des atomes sont formés dans les étoiles pendant une période beaucoup plus prolongée. Revenons à cette image qui, précisément, va nous montrer un peu comment ça se passe quand des quarks se combinent pour donner des protons et des neutrons. Les petits cercles noirs sont là pour représenter les quarks, bien sûr, ce sont des représentations schématiques. Et les cercles noirs représentent les quarks U, il y a deux types de quarks, U et D, et les cercles blancs représentent les quarks D. Alors vous voyez comment on peut combiner les quarks U et les quarks D pour donner des configurations différentes. Quand vous avez deux noirs et un blanc, cela forme un proton. Quand vous avez deux blancs et un noir, cela forme un neutron. Toujours cette analogie d'alphabet, il y a deux lettres dans cet alphabet, la lettre U et la lettre D, et on forme des mots qui s'appellent proton et neutron. Et puis par la suite, et c'est l'aspect que nous allons maintenant regarder de plus près, ces protons et ces neutrons peuvent s'associer pour former des noyaux d'atomes. Et là, vous avez devant vous, si vous y regardez de près, des noyaux d'atomes qui sont constitués de deux nucléons, tout à fait à droite en bas, c'est l'hydrogène lourd. Ensuite, si vous revenez vers la gauche en bas, vous en avez trois. Trois, ça représente un noyau d'hélium, ce qu'on appelle l'hélium 3. Et puis les deux structures qui contiennent le plus d'éléments, qui sont en haut et à gauche, ce sont des noyaux d'hélium 4, dans lequel, pardon, il y a un noyau de tritium et un noyau d'hélium 4. Ce sont les structures qu'on peut combiner avec des protons et des neutrons en allant jusqu'à environ 4 nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons. Plus tard, ce mode d'association va se continuer et on va voir apparaître des noyaux de plus en plus lourds. Et vous avez devant vous, par exemple, en haut, un noyau d'oxygène et en bas, vers le milieu, un noyau de carbone. Ces noyaux d'oxygène et de carbone, qui sont les noyaux les mieux représentés dans l'univers, après l'hydrogène et l'hélium, ne sont pas formés dans le Big Bang, mais sont formés dans les étoiles. La formation des éléments chimiques, allant du deutérium, de l'hélium jusqu'à l'uranium, implique beaucoup de phénomènes différents en astrophysique. Les noyaux plus lourds que le carbone jusqu'à l'uranium sont formés, on le croit, dans les étoiles. C'est une théorie qui a été présentée dès les années 1948 par l'astrophysicien anglais Fred Hoyle et qui aujourd'hui rencontre un très grand succès. Nous en parlerons plus longuement quand nous parlerons de la formation des étoiles. Par contre, les plus légers, ce sont par exemple le deutérium, l'hélium 3 et l'hélium 4 et un autre qui s'appelle le lithium 7, sont formés dans le Big Bang. Et c'est à partir de l'observation de l'abondance de ces éléments que nous allons obtenir des renseignements quant aux conditions de l'univers au moment où ces noyaux se sont formés. Dans ce dessin ici, on va revoir sous une autre présentation ces particules. Là, au lieu de représenter les protons et les neutrons par des cercles blancs et noirs, on les a mis dans un diagramme, et dans ce diagramme, on a ici 0 neutrons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 protons. Alors, le neutron, il est ici, c'est un neutron et pas de proton. L'hydrogène, le noyau d'hydrogène, c'est un proton, il est là. Alors voilà donc l'univers à un moment donné, après la formation des protons et des neutrons par la fusion des quarks, on y reviendra. Et puis ensuite, se passe maintenant un chapitre
que nous allons appeler la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la formation de certains éléments dans l'ensemble de l'univers à partir de la combinaison des protons et des neutrons. Alors, les éléments qui vont nous intéresser, c'est l'hydrogène léger, l'hydrogène lourd, ou deutérium qui est ici, deux, ce qu'on appelle isotopes de l'hélium. C'est de l'hélium parce qu'il y a la charge 2, 2 protons. Ce sont des isotopes parce qu'il y a ou bien 2 neutrons, c'est l'hélium le plus fréquent, celui que nous connaissons surtout, mais un isotope léger de l'hélium qui s'appelle l'hélium 3 parce qu'il contient 2 protons et 1 neutron. Et il y a un autre élément qui est formé dans cette soupe primordiale, c'est le lithium. Le lithium contient 3 protons. C'est un isotope particulier de lithium, celui qui a 4 neutrons. Il y a un autre isotope de lithium qui serait quelque part là, le lithium 6, 3 protons, 3 neutrons, qui lui n'est pas formé à cette période dans le Big Bang. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la formation de ces éléments. Et vous allez voir comment la formation de ces éléments, et en particulier le rapport d'abondance de ces éléments, nous donne des renseignements très importants sur le passé ancien de l'univers. Pourquoi ? Eh bien, si on est prêt à s'imaginer effectivement que cette course vers les hautes températures s'est poursuivie à des températures bien au-delà des 3000 degrés que nous ont raconté le rayonnement fossile, eh bien, on peut aller, par exemple, jusqu'à des milliards de degrés, et pourquoi pas des milliards et milliards de degrés. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint le niveau, disons, de 1 à 10 milliards de degrés? Il se passe qu'il y a des réactions thermonucléaires. Nous savons, par exemple, que à l'intérieur des étoiles, il y a des réactions thermonucléaires. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction thermonucléaire? C'est ce qui se passe dans une bombe H, par exemple. C'est ce qui se passe dans le Soleil. Ce sont des réactions dans lesquelles les protons et les neutrons peuvent se combiner pour former des noyaux plus lourds en émettant de la lumière. Donc le même phénomène qui se passe à l'intérieur du Soleil, vraisemblablement, était monnaie courante dans les temps très anciens de l'univers. Et on peut imaginer qu'à ces périodes où il faisait très chaud, se sont formés des éléments, tout comme dans le Soleil, ils se forment de l'hélium à partir de l'hydrogène. Eh bien, cette formation d'éléments pourrait avoir produit un certain nombre de noyaux. Et on pense que les noyaux, enfin on a de bonnes raisons de penser, que tous les noyaux qui existent aujourd'hui, tous les noyaux de deutérium, hydrogène lourd, d'hélium 3, hélium 4 et une partie importante des noyaux de lithium se sont formés à cette période. Alors comment on va décrire cela? Eh bien on va dire ceci, imaginons, maintenant mettons-nous dans le courant de cet univers qui se refroidit, quand il fait très chaud, il y a plein de réactions thermonucléaires, ça va très très vite, puis à un moment donné, la température baisse suffisamment pour que les réactions thermonucléaires s'arrêtent. Il n'y a pas assez de température, il n'y a pas assez de vitesse, il n'y a pas assez d'énergie pour que les réactions nucléaires puissent continuer. Et ensuite, l'univers reste figé avec les abondances d'éléments qui ont été formés à cette période et qui persistent dans l'univers jusqu'à maintenant. Bien sûr, vous avez reconnu là un fossile, et ce fossile, on va l'interpréter de la façon suivante. On va étudier les rapports d'éléments, d'abondance entre ces éléments. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, l'univers est composé d'environ 90% d'hydrogène en nombre d'atomes et environ 10% d'hélium, 4. Presque tous les éléments, les autres éléments sont très rares. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 9 atomes d'hydrogène pour un atome d'hélium. Eh bien, un chiffre comme celui-là, pour un astrophysicien, c'est important. Ça dit quelque chose, c'est un fossile. De même, on peut étudier quelle est la quantité d'hydrogène lourd par rapport à l'hydrogène léger. Il y a environ 10 000 hydrogènes légers pour chaque hydrogène lourd. De même pour les deux isotopes de lithium, de même pour de l'hélium, pardon, de même pour le lithium. Eh bien, en étudiant les rapports d'abondance de ces éléments, on peut avoir des renseignements quant au moment où ces éléments se sont formés dans l'univers. Et c'est là que nous allons obtenir un fossile qui va nous permettre de remonter encore un peu plus loin dans le passé, qui va nous permettre d'identifier quelles étaient les conditions à cette période dans l'univers. En gros, on va découvrir
que ces réactions nucléaires se sont produites quand l'univers était à au moins 10 milliards de degrés, 10 milliards de degrés, on est passé de 3000 à 10 milliards, et à une période qui est d'environ 1 million d'années avant l'émission du rayonnement fossile. Donc, 10 milliards de degrés pour la formation de ces éléments légers, 3000 degrés pour le rayonnement fossile, et au point de vue chronologique, 1 million d'années sépare le moment où on était à 10 milliards de degrés du moment où le rayonnement fossile est émis, et ensuite, 15 milliards d'années sépare le moment où le rayonnement fossile est émis d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, deux fossiles, l'abondance relative de ces éléments qui nous prouve que l'univers a été à au moins 10 ou 1 milliard de degrés autour de cela, et le rayonnement fossile dans ses caractéristiques qui nous montre que l'univers a été à au moins 3000 degrés.